Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, Mohamed Bazoum, était porteur d'un message du président nigérien Mahamadou Yousoufou. Ce message, il a trait à la situation d'insécurité qui prévaut dans notre sous-région, particulièrement du fait de la situation en cours au Mali, tant du côté de Bamako, mais surtout du côté de la zone nord, qui est frontalière au Niger. Et comme vous le savez, vous avez des éléments d'ACMI, qui sont des éléments terroristes, qui occupent des villes comme Gao, qui est à moins de 400 km de Niamey. Et cela constitue une menace très grave pour la sécurité de notre pays. Et le président Yousoufou a voulu que je dise un certain nombre de choses en rapport avec la situation au président Alassane Ouattara, afin que le président Ouattara inspire aux différentes réunions de la CEDEAO les décisions qui vont permettre à notre organisation commune d'agir avec efficacité pour que, en agissant vite justement, nous soyons en mesure de créer les conditions de la sécurité dont le développement de notre région a besoin. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur est à Abidjan pour prendre part aux différentes rencontres ministérielles de la CEDEAO sur le Mali.